Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme vous pouvez constater, nous commençons en trombe avec le Sankukai, bon, connu du moins sous nos latitudes sous le nom de Sankukai. Les spécialistes savent que le nom du vaisseau est Liabe et qui est extrait évidemment de la série Uchukara no Meseji, Ginga Taisen, je crois que c'est le titre complet, et que nous connaissons nous sous le nom de Sankukai. Alors, je l'ouvre. Voilà, là aussi, typiquement représentatif du boîtage de l'époque. De nos jours, on a plutôt des encarts en carton ou dans d'autres matières, sauf dans les Soul of Shogokin, mais ici, on retrouve bien la petite boîte en polystyrène qui nous rappelle, qui fleure bon les années 80. Donc, je l'ouvre et éblouissement, joie visuelle, ravissement du nerf optique. Voici Liabe. C'est vraiment un superbe jouet, c'est vraiment très très beau. La joie et la félicité continuent puisque nous avons des éléments indissociables du Liabe, du Sankukai. Ce sont les deux chasseurs bien sûr qui sont pilotés respectivement par Ryu et Hayato. Donc je vais surtout ne pas se tromper, donc se référer à l'illustration de la boîte pour bien mettre chaque vaisseau à sa place. Donc ici nous avons mon sens, nous sommes dans le bon sens. Voilà, bon, pour faciliter la manœuvre, j'ouvre d'ores et déjà les bras qui me permettent de... Et nous remettons le Sankukai en position. Donc voici le Sankukai en position de vol. Donc je tiens vraiment à préciser que c'est d'excellente facture et de conserver vos jouets parce que ça vaut vraiment la peine d'avoir autant de brillants quand vous l'ouvrez de nombreuses années plus tard. Donc première superbe caractéristique du Liabe, c'est bien sûr... Ce design chargé, prêt à partir au combat, puisque le vaisseau lui-même décolle et puis est prêt à lancer ses deux chasseurs dans l'attaque. Et pour ce faire, vous appuyez sur le bouton rouge qui est habilement placé ici. Et vous voyez, là aussi, du ressort qui résiste au temps, une ouverture propre, nette et sans bavure, bien sèche et bien appuyée comme on les aime. Et puis, bien sûr, l'exultation continue, puisque... Quand vous posez votre Liabe, votre Sankukai par terre, vous avez aussi loisir d'envoyer justement les deux chasseurs au cœur de la bataille pour combattre les Gavanas, chez nous les Stressos, et détruire du Lazerolab. Ah, le Lazerolab. Ça, si j'ai un regret au sujet de Sankukai, c'est les Lazerolab. Si ça avait pu être produit en jouet, je pense que ceux qui connaissent bien la série se rappellent du design d'un Lazerolab. C'était vraiment quelque chose de super génial avec les bras laser qui se déploient. C'était vraiment superbe. Revenons à notre Liabe. Donc, je peux, donc en appuyant sur le bouton, lancer le Stragir. Voilà, là aussi, du ressort bien sec et bien puissant, qui vous lance un petit Stragir en plastique, certes, mais qui figure parfaitement le vaisseau, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, j'envoie le Jettiscope, qui lui aussi bondit dans la bataille. Alors le Jettiscope aussi, avec son design très particulier, ses deux canons, cette espèce de gros moteur qu'il a en dessous, et puis les dérives derrière. Alors, voici pour le Sankukai. Nous avons ici... Ah, la soucoupe de notre ami Sidero, qu'on voyait rarement dans la série, qu'on voyait, bon, heureusement, assez souvent dans le générique, et dont l'arrivée était toujours assez spectaculaire et assez plaisante. Donc voilà, celle-ci est loose et un petit peu outragée par le temps, mais dans l'ensemble, elle a conservé son intégrité structurelle. Donc ici, nous pouvons relever des petits volets qui dévoilent des lance-missiles. Ensuite, sur le côté de Space Saucer, puisque c'est le nom officiel de la soucoupe le nom japonais du moins de la soucoupe de Sidero, vous appuyez sur un petit bouton qui vous débloque le cockpit, que vous ouvrez ainsi. Donc là aussi on peut reprocher ça à l'outrage du temps. Théoriquement, le cockpit est lesté, et ce qui fait que quand vous le fermez et vous l'ouvrez, Sidero reste toujours à l'horizontale. Bon là, l'effet est quelque peu amoindri, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc un jouet, quand vous l'avez complet, qui est vraiment sympathique, une forme ronde et vraiment de soucoupe, ça fait vraiment très très plaisir. Donc voilà, sinon, nous avons ici une petite notice en japonais de l'IAB, du Sankukai.
Donc ça aussi, ça authentifie et ça donne de l'épaisseur à l'objet. C'est vraiment très très agréable. Voilà, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à voir, à découvrir ou alors à revoir les jouets de Sankukai, parce que c'est quand même une série qui a été, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, fondatrice en France dans le domaine du tokusatsu. Je pense qu'à l'époque où c'est passé, on avait vu très peu de choses ressemblant à ça, peut-être éventuellement Spectreman avant, mais c'est vraiment une série annonciatrice de ce qui allait suivre et de ce que nous connaissons maintenant de manière presque... presque ordinaire, mais là, Sankukai, c'était vraiment quelque chose. Voilà, avec Hiroyuki Sanada, avec Oba Kenji, qui était, me semble-t-il, dans le costume de Star House, de Nagareboshi. Donc, une série vraiment, une pierre fondatrice de l'édifice de l'engouement japonais en France. Voilà, une fois de plus, une preuve irréfutable et percutante que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.